Bonsoir à toutes et à tous pour le deuxième épisode de Man of Medan. Alors tout d'abord, petit disclaimer, on tourne cet épisode à la suite du premier. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient de tourner le premier il y a quoi, 10 minutes? Enfin, on vient d'arrêter le tournage du premier il y a quoi, 10 minutes? À peu près, ouais. À peu près, ouais. Donc voilà, donc nous sommes sur le bateau du Duke of Milan. Pendant que Astral, lui, est en train de faire trompette avec sa belle. Et donc on va reprendre. J'aime pas trop faire trompette. C'est vrai que t'aimes pas trop fort. Zebordi. Zebordi. Donc du coup dans le dernier à la fin de l'épisode on a parlé avec Bradley. Ouais, Bradley. Bradley. Brad. Et de l'autre côté du coup je suis en train de récupérer tous les indices dans cet avion de mort. C'est ça. Il est pas d'ailleurs. Son avion est actuellement en train de nager comme un chien. Tiens, allons voir il fait quoi l'autre mongol. Jeff, ça va? Oh, je prends... j'ai un schlass. Moi ouais, j'ai un schlass. Ah, j'ai une cinématique. Ah, j'ai la scène du je vais avoir la scène du tu sais quoi. Non. Oh. What is this? Soupi! C'est quoi ça? J'ai eu peur. Il y a un poisson qui m'a sauté dessus. Salut. Il y a une anguille qui passait dans moi, je me suis chié dessus. Genre elle est pas passée comme une anguille dessus Nautica. Elle est passée comme un léviathan, genre t'as foncé dessus. Tu profites au max de ton petit moment de relaxation. J'ai de très nombreux talents. Wesh, le frérot il a un crâne luisant avec un trou dedans. On dirait Krillin. Alors comme ça t'es puni? Comme un gosse? Bah je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici. Allez, je conduis un peu le volant. Pas mal. Depuis quand tu la travailles celle-là? Oh, depuis des heures. Ça en valait la peine. J'aime pas perdre mon temps. Mm-hmm. On se voit plus tard. Mais je confirme, ils sont tous des pneus, genre. Pour moi, j'ai utilisé l'attaque plongée de la troisième génération de Pokémon. Non, je vais péter mon crâne. Hein. Allô? 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 Duke à Julia? Oh, vous me recevez, les Golemons? Putain. Quand je vous appelle, vous m'avez mis... Tu m'as mis en vent. Ah, merde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Décoince-toi, ou c'est peut-être préoccupation, c'est peut-être dangereux. Voilà, j'y vais pas, moi. Con. Des pêcheurs. Enfin, on dirait. On est censé faire quoi, là? Bête, quoi. Bon, je sors. On va rien faire du tout. C'est moi, la capitaine. Alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris? Ah, j'ai une cinématique. T'as une cinématique aussi, je suppose? Oui. Mon bateau, fils de pute! Mon avion! Hé! Hey,
gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Ah, un tableau. Oh, zombie, il y a requin. Hey, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau. On va régler tout ça, hein. J'ai failli me faire niquer le bras par requin. Jette le billet sur la gueule du bug. Moi je préfère ma déclaration en mariage. Vous auriez plus de sous l'eau. C'est pas un problème. Et moi je vois l'autre mongol balancer son argent. Eh bah, vous êtes sacrément dur en affaire, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Il a dilapidé toute sa fortune dans l'argent. Il est trop con ce mec, tiens. Oh le regard. Ouais, c'est les billets qui descendent. Maintenant. Oh le regard. Ça devait pas être pour le fric. Merde. Bravo chef. Excuse-moi. Tu fais tomber ma manette et je la rattrape. Regarder, essayer désespérément de les acheter, c'est de te voir jeter ton fric au poisson. J'ai réussi à te faire rire. Et ça, ça valait le coup. T'es vraiment lourd, Conrad. Je suis pas si lourd, je peux être aussi très doux, tu sais. Tu serais pas en train de me draguer? Et ça marche? Je sais même pas ce que je dois en penser. Bon. Si jamais t'as une révélation, sache que je serai là à t'attendre. Oui, je veux t'épouser, fais-moi un gosse et pète-moi l'ovaire. Pardon. Bon, je crois qu'ils vont pas tarder à remonter. Dommage, je mets bien notre tête à tête. Faut allumer le grill. Pète-moi le super allumeur. Ok, tu peux l'allumer. Mais pour le reste, tu peux rêver. Je crois que le platine de jeu, il est vraiment offert. Hein. Quoi? Le platine de jeu, il est vraiment offert. Ah bah ça le fera pas en let's play par contre. Ça va, tu veux bien là-haut? Hein? Tu veux bien là-haut? Hein, Beko? Il arrive pas à allumer un grill ce fils de pute, hein, vraiment ça veut jouer le câblé, hein! Chef, j'ai un choix à faire, faut que tu me dises si tu vois bien là-haut. Ça va, t'inquiète! Tout va bien! Merde, je suis désolé. Effet papillon. J'ai fait un effet Putain! Un effet placebo là. Mon bateau, ma faute. J'ai attendu que le truc remonte. J'espère qu'il n'y aura pas de mort. Hein. Voilà, j'ai pas de risque pour la suite, genre, parce que du coup, bah, genre, l'effet à fond d'éviter, là, c'est pour éviter de faire une crise cardiaque, genre. À cause de la décompression. Donc j'ai évité un tableau déjà. Tout est sous contrôle. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan? Des pêcheurs ont surgi et ont abîmé leur bateau. Ils ont heurté le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Alors, l'amiral Conrad a eu l'excellente idée de leur montrer qu'il préférait jeter l'argent plutôt que de leur donner. T'es un vrai con. Peu importe, mon bif. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh, la vache! Eh mec, la classe. Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Ouais. Trop débat. Ton gros crâne là-dedans. Oh, silence. Chut. Un bonheur pour les oreilles. Je compte le son. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Il baisse le son, il est pas frère Brad, toujours prêt à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'il perd un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de camarade plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ouais. Arrogant? Et la capitaine arrogant, Fleiss, non, il est plutôt fort, stupide. Direct. Manque de chromosomes. Elle semble presque insensible au charme de camarade. Ah, tu vas être content demain. Ne vous inquiétez pas. Demain, il y a les bannières de la 4.3 qui vont être annoncées. Au travail. Métier ? Ouais. Ah. M'en fous.
Bah comme ça tu sauras quand ton Hayato sera là. Je m'en fous, attends d'ailleurs, Hayato il est pas là? Bah si, justement, je pense qu'on va le voir. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot... Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein. Comme vous pouvez vous en douter, je veux pas te voir. Dans mon cuche. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit, je vais en boire une, et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une bague. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Non, on devait rien toucher. Alors, ça fait quoi d'être bientôt... Ah, c'est moi qui joue Blade, je crois. Ouais, c'est moi qui joue Blade. Oh putain, je suis avec les deux couillons. Sois un bon tombeur, chef. Ah, t'as trouvé un secret? Là, je rends un truc, là. Ça va aller en bon, bien. Vas-y, Alex, tape la femme! J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. Vas-y, Alex, pécho-la, fais de l'amour, et elle meurt! Évidemment que j'allais accepter, Rita. Et j'en suis ravi. Monsieur Fro, t'es en train de voler le bateau, quoi, là? T'es un voleur fantôme ou quoi, ce bateau? Moi, je fais des choses, t'es en train de carotte, toi, putain. C'est laquelle? Là où la magie opère. Bonjour. Je vous dérange? Bande de Gaulmont là. Con. Ça intéresse Conrad parce qu'il est très doué pour l'illusion. Ah ouais? Et tu peux disparaître aussi? Est-ce que t'as les bières? Ah ouais, non. Les bières. J'allais les chercher. Hé hey, mec! Tu commences à faire soif ici. Ok, j'ai compris. J'arrive avec les bières. Gros con. Gros pot. Il y a un truc qu'il va falloir qu'on ne floppe pas cette fois. Je vois de quoi tu parles. Bonjour, au revoir Zazat-kun. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey. Moi qui joue? Let's go, tu fais quoi toi? Moi je discutais avec Brad là. Brad. Encore félicitations mec, sérieusement, je suis très heureux pour vous. Ah. J'en reviens pas de l'avoir fait. J'en reviens pas, elle m'a pépon sous l'eau. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Pardon. C'est ton temps. Gravé. Eh bah, à ce de mémoire, y'a pas un tableau genre. Faut que je t'avoue un dans la valise? Ah non, en mariage, c'est une carte. L'océan, je trouve ça plutôt romantique. Une carte. Ah, attends, j'ai pas le temps de finir le dialogue, t'es rapide. Mais mec, je n'ai pas de l'apprendre, ça m'a tépé en haut. Ah, d'accord. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous. Bah, dites-moi, attends, du coup, c'est toi, Julia, peut boire. Parce que, j'ai respecté les paliers de décompression. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là, caler l'avion. Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il n'y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fais tes choix, jeune papillon. De vieilles croyances? C'est tout? Sérieux? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances, et ça, ça marque. Je m'en bats les coups de ta vie, chef. Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas, et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. Personnellement, au vu que comment avance le capitalisme, ma bonne femme,
J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? J'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûr que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie. Et c'est passé près d'ici. Dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Oh, c'est tête. Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amené jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. La femme lui dit : je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Oh, la blague. Ok, bon, alors, un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok. Donc, qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Et qu'il est là, dans le placard. Ha, le mari, hein? C'est une sorte de mise en garde. J'ai un trophée! Moi aussi, tourtereau. Tourtereau. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et... En effet, il y avait bien un homme, mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près, et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop dégueu. Bravo, super la chute. J'ai géré, putain. Bien joué, mon grand. Délite ça, chef. Vraiment, j'ai géré, chef. J'ai marché à fond, t'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ta mère à la pute, mais du coup, on a la même mère. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy. Alinéa 19-9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Tu sais que premier degré, je vais aller voir l'alinéa 8-9-9, là. Mais... Attends. T'es quoi? C'est vraiment ça pour que tu bars? C'est quoi? L'alinéa 9-9 du quoi? Du code de quoi? Du code de la Navy, je crois. Je crois que c'est 899, je m'en souviens plus. De la Navy. Dofus. Wesh. Ah, ça, il y a des assassins. C'est quoi, c'est 199? Ouais, je crois que c'est 199. Je sais plus c'est quoi, j'en oublie déjà. Wesh. Mec, get, y'a Basim. Code. De la de rien qui concerne la bière. Viol.
Attends. Ah, j'ai un petit problème, genre j'ai genre un gun braqué sur mon cou, genre. T'inquiète, chef. On a appelé en même temps, tu te rends compte de ça? T'es touche. Ah! Oh, j'ai mis une patate. Ah bah non, il m'a niqué. Moi j'ai pas vu le bouton, du coup je me suis fait choper. Non, me baisez pas, s'il vous plaît. Je suis vierge. Pour l'instant. Tu joues qui, toi? T'étais avec avec l'autre là? Ouais, je sais pas. Du coup, tu vois ce qui lui arrive, du coup, il est avec quoi, vu qu'on voit pas, genre en solo? Bah là, je. Bah en fait, genre, je me suis fait choper, genre. Je me suis fait attraper comme un golemon. Oh la dame! Quelle heure est-il, chef? Même si, bon, voilà, on a encore le one, c'est bon. Yupidip! Non, ferme ton bec! Ah bon, choix d'apparente. Parce que du coup, on peut vraiment avoir des bonnes répercussions là, si on joue bien. Par contre, il y a toujours écrit Salem sur son truc. Merde, je me suis trompé de touche. Bon, bah, t'as flop, du coup, on va laisser la bouche. Du coup, c'est à moi de faire le choix. Vas-y, je te retire ton maillon. Vas-y. Ouais. C'est bon. Vas-y, recommence et retiens-le-moi cette fois. Vas-y. Voilà, c'est bon, chacal. Ok, à toi. Vas-y, je retire le baillon là-bas. Même sans ça, j'aurais pas dû l'enlever. Femme. Parfait. C'est l'arme à l'écoum, voir ça, cette coune. Wesh, Bassim, ça dit quoi? Ouais, Bassim! Ça va comment, pute Bagdad? Non, voilà, je rigolais. Normalement, on aurait eu un choix pour l'enlever son truc à elle. Et du coup, vu que t'as raté le premier, bah du coup, il s'est fait baiser. C'est pas plus mal après. Ça gueule, c'est une grosse chair. Je crois que t'auras en train de se déboîter les bras là. Oh, la Nucatignune! Ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial! Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Et t'arrives quoi de ton côté? Et du coup là, je te détache, du coup moi je suis Alex, moi. Ah oui, bah oui. Ok, vas-y, Alex Kun. Oh, je suis la pire qu'il a avant. Pourquoi fait du cul à cul là? Oh! Oh! Merde. Choc bar. Oh merde! Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Non, juste. Je rigolais. Tiens, mon crâne à ta mère, de merde. Je me suis trompé de bouton. C'est quoi le bouton que tu devais faire? C'était triangle. C'était triangle, j'appuie sur X. À droite. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Moi, du coup, moi, j'ai bien visé son pied, moi, je l'ai pas raté, hein. Bien joué. Je crois que je vais péter la cheville. Good job. Wesh. Fesse. Ouf. Oh, les couilles qu'il a pris. Oh! Il m'a pas tâté! Toi, t'es sur la POV de Conrad, là? T'es sur la POV de Conrad? Ouais, il me tabasse, là, le ref, il est en train de taper sa meilleure session de passage à tabac, là. Aïe! Moi, je regarde par la fenêtre, j'ai vu que tu t'es pris un gros point couille. Ah, mais j'ai mal là, hein. Ah, ouais. Tu sais t'y prendre avec les femmes. Ah!
C'est bon, il est pas marrant toi aussi. Voilà, pardon chef. C'est bon, je déhec. Du coup, c'est pas de la merde là. Voilà, pas le plus vite là. Oh putain, je suis bloqué du coup, j'attends ton choix. Aïe. On s'occupera de lui plus tard. Je déhec. Bien. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ok, chef. Ok. Bonjour. Aïe. Bien. Oh putain, Conrad. Putain, t'as fait le choix, ils t'ont ouvert la nuque un peu, t'es con. Ça fait quoi comme merde encore? Je lui ai dit d'aller se faire enculer. Femme. Enfin, ma soeur du coup, laisse ma soeur. Mais non, c'est sa femme. Oui, non, mais c'est ma soeur à moi, moi je suis Conrad, moi. Ah oui, j'ai oublié, t'es... Ferme ton bec. Ferme ton gueule. Je te parie une blinde que c'est plutôt les filles qui vont les boxer, et pas l'inverse. Mec, t'es torse nu. Salem. Salem. Rouya. Bon, du coup, on fait quoi, chef? Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Non. Mais je suis sûr que c'est... Ah ouais, t'as fait signer de l'oreille. Ces types doivent vous la récupérer. Ouais, il m'a fait signer de l'oreille. Ok. Tourne-toi. Muchas gracias, señor. Tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on va les choper par surprise. Ok. Ça y est, ils arrivent. C'est quoi le bouton? Ok mec, t'es prêt? Oh oui, le ciseau. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Vraiment mec, on va devoir pas se planter là, il faut que je sois bien entêté sur le bouton. Surtout, mais écoute, c'est moi qui vais pas devoir me planter. Oui. Ah bah non, c'est une badante, je suis con, c'est toi qui passe par la fenêtre. Ah oui, c'est vrai. Mec, je vais devoir faire très très attention. Bah t'as un truc du battement de cœur à faire d'ailleurs. Oui. J'étais à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors bord. Mais leur chef, il a un flingue. What do you propose, chief? Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise, les choper. Ça me va. Péter la fenêtre. On peut leur rentrer dedans, prendre le flingue. Ils peuvent tenter de résister, mais si on a leur flingue, ils devront se rendre. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je sors par la fenêtre. Je passe par le côté et je leur tombe dessus. On les chopera par le côté. Mais quoi, faut que tu t'aimes au coup de tonnerre là, donc c'est qu'un peu plus hard. Sur toi, ok. Ok. Ok, allez, on y va. T'es prêt, chef? Oh putain, mec, faut qu'on score d'en plus. Ah putain, non, c'est la pièce 7. J'ai pas bugué. Conrad, va de l'autre côté, on les chopera ensemble. Ok, chef. Ouais.
Oh, je lui ai pété, oh, je lui ai pété un truc sur la gueule. Oh, je lui ai planté le ciseau dans le cou. T'as réussi ou pas de ton côté? Oui, j'ai réussi, mais il y a eu un cri, du coup ça m'a perturbé, donc j'ai... T'es où toi? Tu t'en sors? Tranquille, tranquille. T'as réussi? Hop! Merde, je me suis trompé de bouton! Non, ça a tout niqué vu qu'on avait tout réussi. Putain, je suis trop con! J'ai appuyé sur... Alex, c'est de la folie! Tire! Tire! Tu rêves. C'est moi le capitaine maintenant. Un choix, mais pas de la merde. T'as un couteau, t'as. Un couteau que t'es de ta gorge. T'es dedans. Quittez ce bateau, allez. Je marie Youssef. Regarde ce que t'as fait. T'es fier de ce que t'as fait là? Attends quoi? Non, allez. Vas-y, non. Mec. Quoi? Julien, elle est morte. Hésite surtout pas à tirer. Mais non, elle est pas morte, elle va bien. Si, si, elle est à terre. Elle va bien, t'inquiète, tranquille. Assez. Oh, elle mec, va bien. Mec, on est plus trois. Toi, ici. Mais mec, non. Arrêtez, bande de cons. C'est bon, bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Oh, menace. Non, non, elle est pas morte. Enfin, je sais pas, j'espère. Et que j'aurais pas dû insister. Hudson, viens voir. Mec, non, bon, pas le premier chapitre. D'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet ordre de Manchouri. Mec, genre, elle peut pas mourir dès le premier chapitre, genre, faut pas des hacks non plus. Non. Oh. Si, je crois qu'elle est vraiment morte. Non, vraiment? Ah, c'est bon, elle est là, c'est bon, elle est là. Ok, parfait. Je suis là. Tout va bien. Sortir, Juju. Il s'est planté oh, où en fait? Tableau. Mec, c'est le tableau. Regarde. Elle est dans les vapes, c'est le tableau. Pourquoi t'as son arme comme un Playmobil, ce fils de pute? Comment on a pu être aussi stupide? Ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu mourir. Bah, c'est pas mort, on part ta gueule. Je pensais pas qu'il serait capable de tirer. Eh oh! Fermez vos gueules! Oh, c'est bon, Brad Pitt, hein! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. C'est vu le connard qui gueule depuis tout à l'heure, là. Gros mongol. Allez, on fait que parler, c'est tout. Là, ferme. Mais décide-toi, chef! Calme. Vous la fermez. Réflexe. J'ai pas de réflexe, vraiment, j'ai des réflexes de nul. Mais tu sais que j'aurais pas rattrapé Julia, ça tapait la tête contre la table par sa blessure. Quoi? Ramène-toi. D'accord, monsieur. Y'a quoi, monsieur? J'essaie de parler avec monsieur. Demande combien de temps l'orage va encore durer.
Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. D'accord, chef. Oui. Ouais, chef, aucun problème, chef. Zhukov Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Tranquille, chef. Tout va bien, tout va bien. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Non ! Putain, mais... Alors, t'as la douche ? Oui. Ou c'est gaspillé ? Oui. On va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Tout va bien! Fais tout ce que tu peux! Tout va pas bien! Non. Mais tente quoi ce mongol? Hey. Allez. Vite. Super d'avoir pensé qu'à ta tronche. Bravo. Super la capitaine Fliss. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Je sais pas où il est. Il faut qu'on le fasse sortir de là. C'est dangereux. Brad, allez, montre-toi. Bouge. Bonjour, c'est moi. T'es Brad là? Non mais... Ah. Oh, The Bee, t'es revu! Et là, découverte maintenant. Oui, là, faut vraiment full découverte. Hein. Oh, les chiens. Oh, c'est rien, c'est un mec mort! Non, voilà, pardon. Tout va bien! Quoi? Tout va bien. Le début du cauchemar. Ah, hello. Tout le monde est encore en vie. Ouais. Les choses auraient pu tourner différemment. Ouais, ah. Oui, Julien aurait pu se faire défoncer. Bah, mec, genre, on a failli crever, genre. J'aimerais fonder qu'une tache de sang par terre, je fais. Et merde. Oh. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Ouais. Qu'en dites-vous? Ouais, vas-y, chef. Vas-y, vas-y, fais péter, fais croquer, fais croquer! C'est moi qui ai le choix. Vas-y. Je ne veux pas savoir. J'ai dit que je ne voulais pas savoir. Quelqu'un hésite encore? Ça ne présage rien de bon. Ah, quelqu'un hésite à du coup pour nous laisser mourir. Que vous avez atteint un certain désarroi,
J'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez non. que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Oula, pourquoi il sort un truc d'un livre ? Oh, la bouteille de parfum avec laquelle j'ai cogné le bougre. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Ouais, on va voir un maconnier qui va nous violer, là. Maconnier. On va se faire haga, là, vraiment. Mais qui vient nous patate, genre. J'aurais nous enchaîner en tapant des gros maconniers. Maconnier, bah, mec, nous met des combos, c'est son coup, là. Ah, je connerai de mon petit. Je sais pas, j'ai pas vu. C'était écrit, genre, en bas, gauche. Ouais, j'ai pas vu. Bon, tu dois sûrement jouer à Alex, en train de faire. Possiblement. Oh, lui, il est gros, le navire. Retire la tête de l'image. Pourquoi tous les petits frères, genre... Est-ce que vous dites, mais Renoir, genre comme ça, ils s'appellent tous Junior. C'est une vraie question, c'est pas un truc genre... c'est quoi, hein. Je crois que c'est pas son petit frère. Il a dévissé mon bateau. Oui. Allez. D'accord, chef. Voilà, je monte. T'as vu, j'avais son pied nu, genre. Tu peux avoir des chaussures comme tout le monde, non? Non. Poussez vers vous, vous avez l'entage. Je veux bien pousser, moi, en vrai. Merde. Mais on est où, là? Totale découverte. Mon Dieu. On est parti, les gars. L'horreur commence vraiment. Non, merci. On est dans Medal of Man, là, on est dans Man of Medal. Ouais. Ah, tiens, il y a le casier dans lequel tu m'as fusillé. Ah ouais. Tu joues qui? Tu joues Julia? Ah oui. Oh, je joue la meuf. Tu vas où, chef? Je me balade un peu, il y a le Golemon. C'est bon, j'avance. Ouais, pardon. Con. Ouais, j'avance, chef. I just wanna be yours. I just wanna be yourself. Oh, messieurs, on va où comme ça? Oh, messieurs. Chef, on va où, là? Ça va, chef? Toi, t'es où? J'avance, moi, avec Fliss. J'avance, déstress. Avec prends Fliss Shot. Prends tes pilules. D'où Jésus? Non, mon passé. Mec, j'ai cru qu'ils allaient me violer. Oh! Choc bar. Ah! D'accord, je bouge contre tes grands morts. Cet endroit me plaît pas. Oui. Bouge pas! Mec, ça chuchote. Oui, c'est Conrad qui a dit qu'il allait chier un œuf. Oh, il y a des lits. Oh, bien mec, je comprends pas où je dois aller là, c'est bon chef, j'ai compris, laisse-moi avancer. Mais compte de ta race! T'es où là? J'arrive, attends. Mais il est Golemont le monsieur là. T'es où là? Je suis avec le monsieur là, mais... En fait, à chaque mouvement que je fais, il me dit de bouger et il me pousse. T'avances pas que tu recules. J'avance là. Est-ce que t'as passé le dortoir? Non, je t'entends parler mais je... Mais putain de... Ah, je vais casser un truc. Là voilà, là avance là. Tout, vraiment, juste suis-moi. Vas-y. Mais je vais par là mais il me dit de me bouger. Voilà, c'est bon enfin. Putain. C'est bon chef. Avance. T'es en train de manger, là tu es demi-tour, là, voilà, avance là. Voilà. Et là t'as une porte là, à mon niveau là, dès que tu vois le poste. Mais tu... Ni quand tu le descends. Là, ici, là, il y a mon gros corps devant la porte là. Tu vas où? Ouais, je t'ai pris la fuite.
Je détale, chef. Je fuis. Regarde, il y a des beaux lits, on pourrait dormir ici, hein. À Mimir. Allez, go Mimir. Bonne nuit. Bonne nuit, les Gaulemons. Wesh, il y a Renaud Musclé en face. Ben homme. Après, il pète son crâne, lui, là-bas, là, c'est bon. Rat. C'est rien, chef, c'est un rat. Pourquoi t'as peur? Bouge pas. D'accord, je bouge pas, monsieur. Comment ça arrive là? Viens. T'es où? Là. Ah oui, t'es là. Bon, allez, je regarde un peu tout ce qui traîne. Vas-y, vas-y, regarde un peu tout ce qui traîne. Internal Memorandum. Pourquoi c'est du latin, connard? Bouge. Oh, ça m'a mis une grenade flash, ça fait un flash blanc quand j'ai pris tout, ça fait... Oh, new scoop. Tout ce oh, c'est pas possible. Fallait où maintenant, là? Vas-y, je te suis. Je suis beau gosse. Alors, si j'ai bien compris, dans le jeu, toutes tes hallucinations cauchemars deviennent réalité. Allez, bande de nazes. C'est... Cube, c'est le citron. N'oublie pas que t'es aveugle d'un œil, chef. Je t'appelle Beko. Han. Han. C'est merde. Oh le briquet. Oh, les le 40 briquet. On avait arrêté à combien? Oui. On avait commencé à 55. Gueux. Maintenant qui joue qui? Non pas qui c'est qui. C'est quoi ce putain d'endroit? C'est quoi cet endroit de con là? On avait arrêté ici. Dans observation, il s'agirait bien d'un navire qui a l'air abandonné. Je peux donc en déduire qu'il s'agit sûrement d'un navire abandonné. Santé, Sherlock. Tu comptes en faire un polar? Toi, t'es un peu Gaulemont sur les bords, hein. Je suis la paix, fils. Sois sympa. Grosse pute. Laisse mon ref tranquille. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. Ouais. C'est pas tout à fait la situation idéale pour pouvoir... Je me renseigne pour qui c'est qu'il est pire mort, parce que, tu sais, ça peut être un peu trop sanglant pour YouTube, là. On en profitera. Moi, pour j'avoue. Prendre le dessus et se tirer. Je sais bien, mais... Je sais pas si j'en suis capable. Ils m'ont bien amoché. Ah, qu'ils m'ont baisé l'oreille, là. On va te sortir d'ici, Conrad. T'en fais pas. Ils ont pris notre tête d'allumage. On va pas aller bien loin sans cette pièce. Et on peut pas, genre... le démarrer à l'arrache? Non, on peut pas faire autrement. Il nous faut la tête d'allumage. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Tu joues qui? Oh putain, je sais que blanc. Tu joues qui toi? Moi je joue ta sœur. Ah, bah je crois que j'ai déjà trouvé. Ah ouais? Ouais. Il y a un truc pour faire un bruit de macaque. Regarde, j'ai trouvé direct. Hé, hey, j'ai trouvé un truc par ici. Où ça? Une grille. T'es où le une sang d'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Fous tout en... Je trouve ça très flippant. Gangbang. Sors mettez gangbang. Sors le journal, j'ai pété mon crâne. Ça va aller. Faut trouver un moyen de sortir d'ici. Oh, je vais voir si je peux pas défoncer la porte d'entrée à temps. Ah mais non, je joue pas Julia, je joue Phyllis. Attends, sinon non, je joue Julia. Regarde, regarde à travers la fente de la porte. Tu vois son gros crâne là. Attends ça. À travers la fente de la porte. Ça te semble comment? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Vas-y chef, on te regarde. Vas-y, fais-moi la longue échelle. Si on arrive à l'ouvrir, on est libre. Oh,
On sait pas du tout où ce conduit va nous mener. Peu importe où ça nous mène, ça sera jamais pire qu'ici. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? J'y vais. Non, je m'en charge. Quelqu'un devrait faire diversion. Ça sera pas discret. Ouais, ok. Conrad, occupe-toi. Bon, ouais, vas-y. Faire foutre. Vas-y, Astral. Ça te faire foutre. Barricado, distraire. Bah, distraire, hein. Chef ! J'ai raté du barricadé, en fait. Qu'est-ce que vous foutez là? Hissez les voiles et larguez les amarres, espèce de vieux marin d'eau douce. Hé, hey, sale gredin, vermine! Merde, je suis planté. Pourquoi personne défonce la grille? Je m'en occupe. Hey. On rate pas. Ouais, ouais, va te faire foutre. Je vous préviens. Qu'est-ce que tu fais? Allez, défonce-la! Interson. Sam Fisher. Mais j'hallucine, là! J'en ai une! Les autres se sont échappés! Fonce! S'en fout d'elle. Oh, je crois qu'il y a un mec qui a buglé, c'est grand mort! Ouais, je pourrais, il marche comme des gifs. Ah! Faut pas qu'on tarde à s'arrêter parce qu'il est 45 quand même. Conrad. Julia. Non, pas question. On doit retourner chercher. 45. C'est ma faute, c'est allez. Ouais, faut la trouver. Ici. Pas question. Vas-y, ouais. Dès que nous avons fini. Il faut qu'on arrive à se tirer d'ici le plus possible. Merde. C'est vrai. Bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cet épisode dans le Croix de Man of Medan, épisode 2, nous allons nous arrêter ici et maintenant pour cette chouette aventure. Nous allons reprendre ultérieurement. Nous vous souhaitons une agréable soirée, journée, après-midi, déjeuner. T'as un truc à ajouter, chef? Allez, tchou! Tchou!